Alors, pour revenir à cet album, le cinquantenaire musical congolais de Yadino et de Ntumba, quand on tient un disque dans la main et que cette chanson y figure, on a tendance tout de suite à l'écouter. Indépendance Tcha-Tcha. Ah oui. Quand on a un disque dans la main et que la chanson est dessus, on veut l'écouter en premier. Alors, comment vous expliquez l'histoire de cette chanson? Elle est de Khaled Jeff. Oui. Ouais. Qui peut nous raconter l'histoire de cette chanson? Donc cette chanson, c'est même l'émanation des indépendances de l'Afrique. Hein, parce que c'est sûr qu'en 1960, ces jours-là, ils étaient à la table ronde et Khaled Jeff était invité, et l'invité quoi, des politiques à la table ronde. Puis lorsqu'est venue presque l'acceptation de l'indépendance du Congo, et Khaled, ça l'a fait pleurer un peu, et puis il est rentré dans sa chambre, il appelait Nico, Deschaux et Vicky. C'est des gens que vous avez connus, vous, personnellement? Bon, je les ai connus, c'est mes ennemis. Moi, je les ai côtoyés parce que, C'est très en bien. jouant avec Rochon, j'ai joué avec Nico, au sein de la frise avec Ouais. lui. Docteur Nico, il était là, puis j'ai côtoyé Calais. C'est là qu'il a pleuré, puis il a dit, bon, en tout cas, tiens la guitare, je vais chanter quand même pour mon pays. Quelque chose de bien pour l'indépendance. Et puis cette chanson est née d'un refrain tout à fait simple, indépendance, tcha-tcha. Tcha-tcha, c'est quoi? C'était le tcha-tcha-tcha. Ah, la Parce qu'il chanson, jouait la le danse. style tcha-tcha-tcha, le style tcha-tcha-tcha. Indépendance, tcha-tcha. Tcha-tcha. Tozoui, donc On a eu Tozoui nous venons d'acquérir notre indépendance. Chantez un peu voix, parce que à travers votre album, vous ne chantez pas, c'est ouais, instrumental, ouais, c'est beaucoup, ouais. Mais chantez un peu voix, vous pouvez le chanter. Ouais. Indépendance. Indépendance, tcha-tcha, Tozoui. Tozoui, c'est quoi? On a Tozoui, nous venons d'acquérir. Voilà, d'accord. Tozoui. On y va? Olipanda, tcha, Touba qui dit. C'est toujours Tozoui, Touba qui dit, mais en notre langue vernaculaire, Kikongo. Au table ronde, tcha-tcha, ba gagné, nous venons de gagner à la table ronde. Indépendant, tcha-tcha, Tozoui, nous la voix Merci qui beaucoup. Se finit. En instrumental, et c'est proposé par Yadino et Ntumba. Indépendance, tcha-tcha, extrait de ce magnifique album.
Indépendance Tcha-Tcha, extrait de cet album, le cinquantenaire, bravo, hein. C'est vraiment joli. Merci. Et là, on retrouve la touche de guitare de Yadino, une touche particulière. Hein. Oh, absolument, donc je joue la touche de Dr Nico, qui est celui qui a joué aussi avec moi dans la frise internationale. C'est vraiment bien. Ouais. C'est un album souvenir. Moi, je pense que c'est un album que chacun de nous doit avoir pour garder secrètement, justement, toutes ces valeurs-là de la musique africaine. Phil nous a rejoint. Bonjour, Phil. Bonjour, Serge. Comment allez-vous ? Super. Deux rubriques pour vous, Afro Webstar et Afro Hit. Ben, pour l'instant, ils sont là, Yadino et Ntumba. Ce sont des monstres sacrés de la musique africaine. Alors, je vais dire quelque chose qui va certainement faire rigoler encore mes frères. En tant qu'observateur de la scène africaine, de la scène musicale alors, africaine, j'ai le sentiment qu'il y a une scission entre votre génération, oui, notamment, et la jeune génération. Pardon. J'ai rarement vu sur des albums un Yadino avec un Ferregola, par exemple, ou Fally Ipupa. Comment expliquer ce manque de collaboration entre ces deux générations musicales congolaises ? Non, mais ça ne vient pas de nous. Ça ne doit venir que d'eux-mêmes. Les jeunes ne vous respectent pas suffisamment ? Je comprends pas. Non, mais ils nous respectent. Quand ils nous voient, ils nous respectent. Parce que... Mais moi, dernièrement, il y a Emelia qui est venu me voir. Emelia Alias. Je joue avec lui dans son album. C'est moi qui ai joué. Il y avait un concert qui était annulé. Il a apporté les arrangements un peu différents de leur génération. Ils m'ont amené une musique qui ressemble à la leur. Je lui ai dit d'essayer de donner un peu de couleur. De quelle façon, techniquement ? Non, avec... Non, c'était live, hein. C'était une programmation. Il fallait que moi, je donne un peu une petite couleur qui ressemble un peu à la musique véritablement congolaise. D'accord. Mais, parce qu'une musique véritablement congolaise est une musique qui ressemble plus véritablement à congolaise. Pourquoi ? Parce que moi, je dois définir ceci en deux mots. Les jeunes, quand ils sont arrivés, je vais vous le dire, la vérité, c'est que je les aime beaucoup parce qu'ils font... Surtout en matière des chanteurs, ils émergent. Mais ils donc, ils ont des voix tout à fait intarissables. Quoi. Donc, ils apportent tout de même des ingrédients nouveaux dans la musique congolaise. Ouais, vous voulez rester traditionnaliste ? Non, pas traditionnaliste. Donc, je vais vous dire parce que, vous voyez les Cubains, c'est depuis les Compay Segundo qui restent toujours attachés à leur culture. Il y a une base. En déformant directement. Vous gardez la saveur, la quintessence. Donc, ils doivent travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'avant... Et maintenant, je vous parle, tous les jeunes, je vous dis, ceux qui émergent, essayent d'aborder un peu le vieux style de la rumba. Parce que sans la rumba, parce qu'à un certain moment, ces jeunes, ce n'est pas leur faute. Ils sont nés à l'époque de notre vieux Mobutu. Mobutu a instauré les animations politiques, les groupes d'animation politique. Et les chansons traditionnelles ont été mises tellement en exergue que cette façon de danser des animateurs politiques a inspiré toute cette génération. Et partant de ce folklore-là, de la musique folklorique de ce nom, ils veulent créer quelque chose qui ressemble un peu à ça. C'est ainsi qu'il n'y a plus que des animations que des danses. Maintenant, la musique, on l'admire, puis ils ne la font plus à base des données. Ouais. Musicale, enfin, qu'on connaît internationalement, la musique congolaise. Mais ils la font à base des animations pour ne mettre en exergue que... La partie dansante, c'est tout. Et surtout, par moments, les noms. Et voilà. Les noms des mécènes. Voilà. C'est ça le problème sérieux. Le problème sérieux, c'est quoi ? Aujourd'hui, les jeunes, quand ils veulent chanter, nous, à notre époque, on écoutait la chanson. Oui. Donc, il y avait une histoire. Avait un sens. Oui, c'est vrai. Donc, il y avait toute une histoire. Il y avait une histoire. Admettons, on éduquait les gens ou on racontait une histoire. Mais aujourd'hui, actuellement, on n'entend que des voix. C'est vrai. C'est-à-dire, on chante que des noms, Phila, machin, Serge, Bonnie. On ne fait que ça. Et après, la chanson n'a plus de sens. La chanson n'a plus de sens. Donc, c'est-à-dire qu'il suffit que des danseuses montrent un peu l'air postérieur. Et puis, c'est tout, quoi. Les gens... Ils n'achètent que ça. Et ils se sont basés. C'est l'un des combats d'ailleurs. Il faut qu'ils reviennent aux valeurs musicales exactement.
parce qu'ils reviennent aux valeurs musicales. Je vous comprends bien, vous qui avez joué avec, tous les deux d'ailleurs, vous qui avez joué véritablement avec des orchestres, vous avez fait de la musique, ça vous peine un temps soit peu, mais c'est des jeunes que vous respectez tout de même. Mais on les respecte, voilà. On s'énerve, pourquoi aujourd'hui on bougez veut. Pas, vous, ils ont, vous sortez talent, de la lumière là. Ouais. Ouais. Donc, on s'énerve un peu, pourquoi? Parce qu'on veut quand même qu'il y ait des bases à chaque chose. Il y a ce qu'on appelle les lois. S'il n'y a plus de bases, il n'y a plus de lois, on est perdu. Voilà. Donc les jeunes, c'est pour ça qu'ils sont perdus aujourd'hui. Jeunes musiciens, voici un album référence sur lequel vous pourrez éventuellement vous en inspirer parce qu'ils l'ont enregistré en live. Ils se sont mis en place, on va les entendre à nouveau à travers une chanson qu'ils ont intitulée Ndaya Paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom d'une personne. Ndaya Paradis. Ouais. Ah bon? Ça, c'est une femme qui a éblui Rochereau. Et puis donc, Rochereau l'a chanté, l'a surnommé le paradis. D'accord. Ndaya Paradis. Ouais. Ah, il fallait que le bon Dieu puisse le prendre, lui. Il fallait qu'il soit vraiment amoureux pour écrire cette chanson. Le bon Dieu puisse le prendre, lui, Rochereau, et laisser cette beauté. Vivre sur n'est-ce pas beau tout ça? On vous écoute, cet extrait de cet album, le cinquantenaire de la musique, cinquantenaire musical congolais, voici venu Ndaya Paradis. Ça ressemble au paradis. Hein. Vraiment, je m'y croyais. Moi. Venez nous retrouver là, s'il vous plaît. En tout cas, c'est un très, très bel album. Comme je vous disais, c'est un coffret qui comprend... il y a sur ce coffret... Dans ce coffret, il y a donc 11 titres en audio que vous pourriez écouter dans votre voiture ou un bon dimanche à la maison. Et puis, il y a aussi 5 super vidéos enregistrées ici à Paris. Mmh. Comment le public et comment vos fans ont-ils accueilli ce projet-là? C'est le projet qui a été très très bien reçu. Jusqu'à présent, ils n'arrêtent pas de nous demander. Mmh. Et pourtant, vous n'avez pas encore fait la sortie officielle. Non. Mmh. Ça se vend comme du pain. Ça se vend comme des petits pains aujourd'hui. Et puis, il y a aussi l'envie de faire chanter. Absolument. Parce que ça, c'est instrumental. Donc, c'est instrumental. Et faire appel à des voix, les mêmes chansons reprises en chanson. Oui, les mêmes chansons. Par qui ? Ou par des chanteurs que nous avons choisis ici sur place à Paris. Elba, par exemple, Abiba, Endo, Sadrak,
c'est des chanteurs qui sont ici. Le succès est peut-être normal, hein, parce qu'il s'agit quand même de 50 ans ouais. de musique congolaise ouais, dans ouais, cet ouais. album. Ah, donc, Ce sont des reprises de Kali Jeff, de Edo, de Rochereau, du docteur Nico. Il y a Dino aussi dedans. Teddy Soukami. Il y a Dino aussi. Il y a Dino, Dino Vangu. Ouais, ouais. Voilà, il y a Dino Vangu. Il y a Dino aussi dedans. Voilà. C'est, en tout cas, c'est un très, très, très bel album. Et si on allait ensemble, tous les trois, maintenant, pour un face-à-face, vous voulez bien ? Bien sûr. Allez, on le fait. Portez, face-à-face. Portez vos gants. Ntumba, combien d'enfants avez-vous ? J'ai 6 enfants. Yadino, si, lorsque vous pensez à votre pays, qu'est-ce qui vous revient le plus et qu'est-ce qui vous manque quand vous pensez à votre pays, la RDC ? Ce qui manque, c'est la justice toujours dans ces pays qui n'est pas bien mise en place encore. Et ça me fait peur encore vraiment de rentrer dans mon pays parce que je vois que les gens ne sont pas encore matures vis-à-vis de la démocratie. Voilà. Ntumba, qu'est-ce que vous aimez manger ? J'aime bien le gibier. Et le poisson surtout. Yadino, combien d'enfants avez-vous ? Je ne vais pas citer les tout, mais je sais qu'officiellement, ils sont 4. Officiellement. Et officieusement ? Je ne peux pas y... Je ne peux pas y aller parce que... Ntumba, que pensez-vous de la SAP ? La SAP, je ne suis pas contre. C'est quelque chose de bien. Yadino, que pensez-vous de ces musiciens qui se décapent la peau ? Horrible. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'était là le face-à-face. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Merci de nous avoir gratifié de ce magnifique son que vous avez fait, son que vous retrouverez sur cet album que je tiens avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie parce qu'il ne faut pas le prêter. Chacun doit avoir son album parce que c'est toute l'histoire de la musique africaine contenue sur cet album-là. Et puis, je suis très heureux que l'Obenel vous ait accompagné jusqu'ici. C'est la preuve qu'elle adhère. Ouais. Tout comme nous, à ce projet-là. Et puis on attend. Ah, mais puisqu'elle a chanté aussi dans la version chantée. Parce qu'il y a ma chanson que j'avais fait chanter à Pongolove, qui a fait succès aussi en Afrique. Voilà. Qu'elle a interprété là-dedans aussi. Mais au fait, est-ce qu'on pourra vous retrouver sur scène un de ces jours ? Bien sûr. Ben oui. Quand à peu près ? Bon, par exemple, déjà les 19, on est chez Moussa l'Africain. Mmh. Le 19 janvier. Je l'annoncerai. Ouais. C'est très, très bien. Ah, il faut aller écouter la musique et puis il y aura un showcase pour présenter officiellement cet album qui s'arrache déjà comme des petits pains. Ouais, merci beaucoup à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. C'est avec une chanson de Taboulé Rochereau qu'on va se quitter. Ouais. C'est Tété Adios, Adios Tété. Hein. Ah, ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Merci d'être venus et puis on se retrouvera une autre fois pour encore parler de cette belle musique que vous, dont vous gratifiez les mélomanes. Lundi, on sera en compagnie de M. Badarou, lui s'occupe d'un magazine qui s'appelle Manager. Et puis, il y aura aussi une remise de trophée qui s'appelle Merit Art Award. Ouais, Merit Award. Ce sera pour lundi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi.